Je suis un gros ours polaire et j'ai un bon pelage blanc. Quelle belle journée aujourd'hui, chante avec moi mon ami. Oh pauvre petite marionnette, elle était dans le fond d'un sac de vieux vêtements. C'est Julie qui l'a trouvée et elle me l'a donnée. Oh, personne ne sait à qui elle appartient. Je ne sais même pas si elle a un nom. Hein? On dirait qu'elle veut me dire quelque chose. Lula, elle s'appelle Lula. Oh, Lula a l'air triste, tu ne trouves pas? Lula, pourquoi as-tu l'air si triste? Oh, Lula est triste parce que personne ne lui a dit qu'on l'aime depuis très très longtemps. Oh, moi aussi je serais triste si personne ne me disait « je t'aime ». Pas toi. Oh, excuse-moi, mais oh, j'aime tellement les caramels. Oh, à chaque fois, j'ai du mal à m'arrêter d'en manger. Oh, les bonbons, ce n'est pas très bon pour les dents. Papa et maman me le répètent tout le temps. Oh, je le sais, mais c'est plus fort que moi. Oh, quand un bonbon fond tout doucement dans la bouche, oh, il n'y a rien de meilleur. Pianissimo! Oh, c'est difficile de choisir quand il y en a trop, tu ne trouves pas? À vous dirai-je, maman, ce qui cause mon tourment. Papa veut que je raisonne comme une grande personne. Moi, je dis que les bonbons valent mieux que la raison. Oh, pianissimo dit qu'il n'aime pas les bonbons. Pianissimo dit que ses bonbons à lui, ce sont les jolies notes de musique. Oh, 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 oh. Eh bien, pianissimo, vas-y, joue-nous un petit bonbon comme tu les aimes. À vous dirai-je, maman, ce qui cause mon tourment. Papa veut que je raisonne comme une grande personne. Moi, je dis que les bonbons valent mieux que la raison. Non, Vincent, pas tous doute de rien. Il est pas trop de bonne humeur. Il pense qu'on s'en va magasiner. À tout de suite. Il faut se dépêcher, on va rater l'autobus. T'aurais pas vu ma casquette par hasard? Hein? Oh! Si je cache sa casquette... Peut-être qu'on n'ira pas magasiner. Tant pis pour ma casquette. On y va? J'ai oublié de me laver les dents. Bon, essaie de faire vite. J'ai soif, moi. Ma casquette? Je pense que Patou mérite une petite leçon. Je suis sûre qu'on a manqué l'autobus. Ça veut dire qu'on n'ira pas magasiner? Non, ça veut dire qu'on va manquer le début du spectacle. Hein? Quel spectacle? De marionnettes. Tu m'as dit qu'on allait magasiner. Tu ne m'as jamais parlé d'un spectacle. Vincent et moi, on voulait te faire la surprise. En courant vite, peut-être qu'on arrivera à temps. Attends, mon sac à dos! Julie, tu vas nous mettre très en retard. J'en ai besoin, les billets pour le spectacle sont dedans. Oh non! Peut-être que mon sac à dos se cache à la même place que ma casquette. Tu penses? Ça alors! Ranger un sac à dos et une casquette dans le frigo, faut vraiment être dans la lune, pas vrai, Patou?
C'est un petit peu fou, hein? Un petit peu fou ou un petit peu patou? Je dirais que c'est un petit peu des deux. Je suis allée à la ferme de mon oncle hier. À la ferme de ton oncle? Ah non, je ne savais pas. Oui, puis ça m'a même donné une idée de bricolage. Ah oui? Quelle idée, Julie! J'ai décidé de fabriquer une poule en carton. Pour ce faire, je prends une assiette de carton que moi, j'ai peinte en jaune parce que je sais que c'est ta couleur préférée, Patou. Une fois l'assiette peinte et bien sèche, je la plie en deux parties bien égales comme ceci. Et à l'aide d'une paire de ciseaux, je viens faire une fente à chacune des extrémités. Voilà. Pour l'instant, je peux laisser le corps de côté. On y reviendra un peu plus tard. Maintenant, dans du papier de soie, j'ai découpé plusieurs lanières pour faire une jolie queue à la poule et je suis venue les relier à l'aide d'une agrafe. Maintenant, je peux l'ajuster à ma poule. Je l'insère dans le corps et à l'aide de la graffeuse, je viens la fixer comme ceci. J'ai découpé dans du papier de construction rouge un bec triangulaire ainsi qu'une crête. Maintenant, je vais faire la même chose. Je vais venir les fixer sur le corps de ma poule à l'aide de la graffeuse comme ceci. Oups, ça a glissé un tout petit peu. Oh, voilà. Il faut faire attention avec ça. Hein? Oui, Patou. Donc, le bec, je viens de l'agrafer aussi. Et voilà. Maintenant, on va mettre des yeux. Pour mettre les yeux, j'ai découpé dans du papier de construction encore un cercle vert et un cercle bleu. Je suis venue juxtaposer les deux. Et je viens le coller sur ma poule. Bien entendu, je peux en mettre un de chaque côté. Ma poule est pratiquement terminée. Tout ce que je pourrais faire maintenant, c'est ajouter des pattes. Donc, les pattes, ce sont deux épingles à linge que j'ai d'abord peintes en noir. Et voilà ma poule! Je te la laisse, Patou. Voilà. Oh, merci! Et je te montre... Oui, elle est belle, hein? Oh, oui! Je te montre celle que j'ai préparée pour Vincent. Oh! Vincent va être content. Oui. Aujourd'hui, je vais vous raconter une aventure en compagnie du vieux chef indien, Yawata, et du clown Grelot. Yawata est un vieux chef indien. À chaque fois que je vais le voir, il m'amène à la pêche dans son canot d'écorce et nous dormons dans un grand tipi. En revenant de la forêt, j'aperçois une petite valise près de l'entrée du tipi. Je regarde en l'intérieur, des cheveux jaunes qui dépassent de mon sac de couchage. Yawata n'est pas content de voir un inconnu dans son tipi. Il veut réveiller l'homme aux cheveux jaunes. Yawata a un grand cœur. Je le convainc facilement de laisser l'inconnu aux cheveux jaunes se reposer. J'aide Yawata à faire un feu et préparer le repas. La bonne odeur du poisson grillé réveille l'inconnu qui sort du tipi en marchant sur les mains. Yawata le trouve tellement drôle qu'il oublie de se fâcher. L'inconnu dit « Je m'appelle Grelot, je suis un clown et j'aimerais faire partie de votre cirque. » Yawata et moi, on se regarde. « Quel cirque !» Grelot montre le tipi.
Hiawatha explique à Grelot que le tipi est une maison indienne, pas une tente de cirque. Oh, pauvre Grelot, lui qui cherche un cirque depuis si longtemps. Oh, il est si triste que j'ai envie de pleurer. Hiawatha aussi. Comment l'aider? J'ai une idée. Si Grelot avait un tipi, il pourrait le transformer en tente de cirque ambulant. Hiawatha est le meilleur fabricant de tipis. En peu de temps, la tente du cirque est terminée. Pour nous remercier, Grelot nous fait un spectacle. Tout à coup, je pense, comment Grelot va-t-il transporter son cirque ambulant? Oh, oh, oh. En riant, Grelot ouvre sa petite valise magique et le tipi disparaît à l'intérieur. Oh, sais-tu quel nom Grelot a donné à son cirque? Le cirque Yawapatou. Oh, tu as vu comme elle est de bonne humeur, Lula. Je lui ai dit, je t'aime, Lula. Et pouf, sa tristesse s'est envolée. Oh, oh, c'est important de dire, je t'aime à ceux qu'on aime. J'étais voir maman pour lui murmurer, je t'aime, maman. Elle m'a embrassé et s'est mise à chanter. À papa aussi, j'ai dit, je t'aime, mon beau papa. Il m'a pris dans ses bras, il m'a fait deux gros bisous. Oh, 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 tellement gros, j'en ai encore des cloches qui sonnent dans mes oreilles. Oh, 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 toi aussi, je t'aime. Approche. Toi, est-ce que tu m'aimes? Oh, je suis chanceux d'être aimé autant. Pas vrai, Lula?